Ouais, de toute façon, cette histoire de body count, c'est n'importe quoi. Les gars sont insécures, ils doivent nous accepter comme on est, ils doivent accepter nos passés. Si jamais ils ne sont pas capables d'accepter notre passé, c'est que vraiment ils sont insécures. Moi, je veux des vrais hommes, quoi, des vrais hommes, tu vois. Faut jamais écouter ce que les femmes disent, tu vois ce que je veux dire? Jamais, jamais, jamais. Elles savent que le body count, c'est important. C'est juste qu'elles essaient de te mettre une petite disquette pour que tu puisses dire: ah ouais, c'est vrai, je suis un vrai homme. Oui, c'est vrai, je suis un vrai homme. J'accepte tout. Oui, comme Adam. Comme Adam 22, pour ceux qui ont la référence. Même elles, entre elles, quand elles savent que certaines filles ont un passé douteux, elles te disent: ah non, elle, non, c'est pas une fille bien. Mais bon, heureusement, il y a une actrice pour adultes qui a trouvé une solution. I just got a surgery to be a virgin again. What does that mean? A new skin? I beg your pardon? It's been 7 days. I want to restart my body count to zero. So, I just want to restart fresh. Yeah, I think it counts. I don't know. My body count is zero now. Dans sa tête là? Là, dans sa tête? C'est ouf, dans sa tête, elle est là au max. Elle dit: mais personne n'y a pensé avant. Là, elle devait être un jour dans sa chambre, elle devait être comme ça: plus personne ne voudra de moi parce que tout le monde a vu que j'ai plus beaucoup de body count. C'est pas facile, comment je vais faire? Épiphanie: mais je vais recoudre, tout simplement. Mais oui, même le gars dans la vidéo, il a dit: ouais, mais je pense que ça peut marcher. Enfin, je sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas si ça marche ou pas. Alors, non, bah, alors, assieds-toi, Géraldine. Non, tu as gaspillé ton argent pour rien. Tu aurais dû nous demander avant de faire de recoudre tout ça. Non, ça va rien changer du tout. Non, tu n'es pas revierge. Non, c'est pas possible. Hein. Elle s'est dit: problème de moderne. Solution moderne. Non, ça marche pas, chérie. Tu auras beau avoir tout recousu, ça changera pas tous les gars qui sont passés sur toi. Enfin, non, ça fonctionne pas, chérie. Malheureusement, non. Malheureusement ou pas, enfin, non. Enfin, ça fonctionne pas. Do you believe that men and women are equal? I think that they should be equal, but I think that men don't view women as and men as equal. I agree. So you said you feel like they should be equal, but in reality, are men and women equal? No. Men don't view women as equal, but they should be equal. Well, we're not equal. I mean, why? Essentially, why? Do you think that you're better than me? I don't. See, do you think that you're better than me? I never said I was better than you. You just did. I said that we're not equal. Why? Because I have a penis and you have a vagina. What does that fucking matter? That means we're different. Wouldn't you agree? But why does that make you better than me? I said I was just, we're not equal. I'm not better than you. But equal means that we're in the same playing field. By you saying that you have a penis, that you're saying that you're better than me. By me saying I have a penis, I'm saying I have a penis. Okay, so do you think that you're better than me? No, I just said I don't think I'm better than you. So, but I just think we're not equal. No, we're not. Why? Because we like different things and we're different people. Bon, on va traiter une bonne fois pour toutes cette histoire de on est égaux. Non, on n'est pas égaux. C'est quoi? C'est... Mais tu vois, déjà même de ta manière de réagir, on voit tu agis de manière émotionnelle. Lui, il reste calme, stoïque, comme un vrai homme, hein? Et toi, tu donnes des émotions, tu n'entends même pas ce qu'il dit. Ah, quoi, ça veut dire quoi? Tu crois que t'es meilleur que moi? Tu crois que... Tu viens juste de montrer par ton comportement, on est complètement différent. On ne gère pas les choses de la même manière. Donc, non, on n'est pas égaux. Alors, on est tous égaux au niveau de la loi, bien sûr. Mais on est quand même complètement différent. En plus, il te le dit, j'ai un pénis. Qu'est-ce que tu comprends pas? Est-ce que c'est parce que t'as un pénis, t'es meilleur que moi? Eh ben oui, chérie, dans certaines disciplines, oui. Je sais pas, c'est peut-être un scoop pour toi, Géraldine. Donc oui, les hommes sont meilleurs dans certains domaines. Et oui, les femmes sont meilleures dans certains domaines. Peut-être que ton ego aurait voulu que tu sois meilleur que les hommes à tout point de vue, ou qu'on soit pareil à tout point de vue. Mais non, mais c'est pas vrai, en fait. En fait, on est différents, donc c'est normal. Biologiquement, on est différent. Physiquement, on est différent. On pense pas pareil. Il n'y a rien qui est pareil. Ouvre un bouquin de biologie, c'est simple. La vie même est sexiste.
La galanterie, c'est sexiste. Tu en bénéficies uniquement parce que tu es une femme. Ça tu te plains pas, ça, tu dis pas. On dit, est-ce que nous, on dit, ah, ça veut dire que vous êtes meilleur que nous, ça veut dire que, hein, vous valez mieux que nous, c'est ça? Pourquoi nous, on n'a pas de galanterie, hein? Tu vois, bah, c'est pareil, c'est le même raisonnement, en fait. Pourquoi il n'y a pas de galanterie pour les hommes? C'est n'importe quoi, ça veut dire que tu penses que t'es meilleur? La vie est sexiste. Ok, vous êtes en mode easy juste parce que vous êtes une femme. Donc c'est qu'il y a bien des différences quand même. Hein, tu peux aller en VIP où tu veux, on peut t'inviter à Dubaï, tu peux avoir des connexions incroyables, rencontrer des milliardaires. Ça c'est réel les gars. Que vous, toi tu sais pas, toi t'es là, dans ta vie tu penses que bah non, c'est comme tout le monde, c'est les filles, c'est les hommes, nous aussi. Comme tu le vois pas, les gars, quand tu commences à avoir des copines, tout ça, tu vois, les gars, elles sont invitées à Miami, sur les yachts, des endroits où peut-être dans ta vie tu n'iras jamais. À moins que tu travailles sur toi et que toi-même tu deviens millionnaire et que tu achètes le propre bateau, le propre yacht. Mais si tu n'achètes pas ton propre yacht, il y a de grandes chances que tu ne mettes jamais les pieds sur un yacht. Hein. Ou sinon, ça veut dire que tu as déjà réussi et tu connais des gars qui ont des yachts. Mais ça veut dire que si tu connais des gars qui ont des yachts, c'est parce que tu apportes de la valeur dans leur vie. C'est parce que, ou sinon, tu as déjà du succès dans ce que tu entreprends. D'où pourquoi la valeur de la femme, elle a la naissance. La valeur de l'homme, elle se construit. D'accord? Donc, vous naissez, vous pouvez avoir accès à tous des plus grands. Donc ça donne des connexions de malades, ça donne accès à plein de choses que les hommes n'auront jamais, juste parce que vous êtes des femmes. Voilà. Est-ce qu'on dit, ouais, ça veut dire que vous êtes meilleur que vous? Non, c'est la vie, c'est comme ça. Ok, je me rappelle, ça c'était vraiment dans ma jeunesse, mais ça m'avait marqué. Une meuf que je datais, et elle m'avait raconté que genre, bon, elle était vraiment jeune quand même, hein, mais je me rappelle, elle m'avait raconté que genre, elle était faire des courses, elle attendait le bus, mais elle avait grave des courses. Il y a un gars qui a commencé à l'accoster. Elle a dit, ouais, bah, au mieux m'accoster, tu vois bien que je galère avec les courses. Et elle m'a apporté mes courses. Donc le gars, il l'a aidé à porter les courses jusqu'à devant chez elle. Ben voilà, c'est comme ça. Hein, un homme, ça va jamais arriver, ça. Hein. Tu galères avec tes courses, tu vas galérer tout seul jusqu'à chez toi. Donc je répète, oui, les femmes sont meilleures dans certaines choses. Oui, les hommes sont meilleurs dans certaines choses. Point barre. Et si jamais tu n'es pas d'accord avec moi, écoute bien ce qui suit. Si ensuite ton raisonnement, ça veut dire que les femmes et les hommes interchangeables. Ouais, d'accord, hein? Puisqu'on est pareil, on est égaux, d'accord? Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas encourager la narrative des gars qui se disent, bon ben aujourd'hui je décide que je suis une femme, voilà, donc vu qu'on est égaux, de toute façon c'est interchangeable, donc il n'y a aucun problème. Un gars aujourd'hui peut dire, ben je décide d'être une femme. Et il va aller dans toutes les compétitions qui sont réservées aux femmes. Et là, tu vas voir s'il n'est pas meilleur que toi. Tu vas voir ce qui ne va pas te gifler quand tu vas être, si c'est rugby, si c'est basket, si c'est football, tu vas voir. On va voir si jamais tu vas parler aussi fort que tu parlais avec le gars tout à l'heure. On va voir. Les gars, ils vont tous décider qu'ils sont des femmes. Ils vont aller en compétition dans les trucs des femmes. Ils vont tous vous mettre en PLS. Et après, il n'y aura plus que des trans dans les compétitions des femmes. Voilà. Et après, vous allez revenir vers nous. Mais non, mais on rigolait. C'était une blague. Misogyne. Mais non, mais quand je dis c'est misogyne, c'était genre mi-gentil. C'est ça que je voulais dire. Mais toi, tu t'as pas entendu vite. T'as entendu vite. T'es gentil. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est ça. Ah, après, ça va aide-nous, s'il vous plaît, non. Y en a plus, nous, on est nulle part maintenant. On peut rien faire. Bah oui, même entre les hommes, il y a des catégories. Mais un peu preuve de logique, tu vois. Même entre hommes, il y a des catégories, parce qu'on sait que c'est pas juste de mettre un gars qui, je sais pas, un boxeur de 60 kilos, se battre avec un gars qui fait 80 kilos. C'est du bon sens. Mais votre ego, il est tellement... Ah non, en fait, non, on est pareil, hein. Calme-toi. Parce qu'au final, ça va se retourner contre toi. On essaie de te protéger. Non, je n'ai pas besoin que tu me protèges. Tu te prends pour qui? Je suis indépendante, faut être indépendante. Ok, t'as raison. Continue à te vexer. Vis dans ta vérité. Et je vais même revenir sur l'argument de ouais, il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs, par exemple, ou il n'y a pas assez de dans certaines filières professionnelles, il y a moins de femmes, etc. Ben, c'est juste que déjà, d'une part, naturellement, les femmes, elles se tournent plus vers des filières professionnelles qui sont liées au social. Parce que naturellement, c'est là où sont les meilleurs. Moi, je préfère me faire soigner par une infirmière que par un homme, que par un infirmier. Voilà. Je préfère déposer mon enfant à la crèche où il n'y a que des femmes qui s'occupent des enfants. Parce que je sais que les femmes, c'est des femmes, elles vont s'occuper. Enfin, c'est comme ça. C'est mieux. C'est pas que c'est comme ça, genre, mais tu sais que, voilà. Pas qu'un infirmier ne peut pas prendre soin de toi bien. Enfin, ce que je suis en train de dire, calme-toi, j'étais infirmier. Mais une femme, c'est quand même plus agréable, c'est quand même plus. Tu le sais. J'ai pas besoin de. Tu me rends compte qu'en 2023, même 2024, je suis obligé de me justifier pour expliquer pourquoi une femme c'est mieux quand je dépose à la crèche qu'il y ait que des femmes ou mieux d'avoir que des hommes. Donc non, c'est pas lié à une construction sociale ou je sais pas quoi. C'est. Tu veux dire, même en cuisine, parce qu'il y en a qui disent ouais, c'est parce que genre, c'est une construction sociale. Même en cuisine, les plus grands chefs, c'est des hommes. C'est notre faute encore, ça. Voilà, c'est pas grave. Chacun est bon dans chacun.
Huh? Oui, je sais que c'est pas français, calme-toi. Alright, who's the leader in the relationship? You or your man? Baby, who's the leader in the relationship? I think both of us. We're both the leaders. Who's the leader? I am. I pay for everything. Oh. That doesn't make him the leader. You don't agree with him being the leader? Huh? You don't agree with him being the leader? I wouldn't. No, I think that it's pretty equal. Asking my husband for it after a night out. Yes? You come into bed? After this game? What? Can't leave an online game halfway through. Come on. After this game. I'm not wearing anything. Yeah, that's fine. After this game. Come on. I can't have this. If I leave, then it's 4v5. That's not fair on my team. You're letting me down? Yeah, I am. Okay, I'll go sleep. Alright. Love you. Un plaisir de voir des hommes qui arrêtent de simp. Voilà. Donc pour ceux qui comprennent toujours pas, c'est quoi la différence entre le gentil qui n'a aucun succès avec les femmes, qu'on soit clair. Mais tout le monde veut absolument être le gentil comme ça, simp. Voilà. Par exemple, le gars gentil, il aurait simp. Quoi chérie, tu veux quoi? Ok, bon les gars, je vais y aller, hein, tant pis. Non mais vas-y, c'est pas grave. Hop. Et ce serait barré direct. Oui, allez bébé. Oui bébé, j'arrive. Tout de suite. Voilà. Même elle, elle aurait eu un dégoût, elle aurait fumé dans le TikTok. Regarde-le, regarde-le. Il laisse ses gars comme ça, normal. Dégoûte. Ah ouais, les femmes aiment les hommes qui ont une parole et qui ont des principes. Même si c'est un jeu vidéo. Et je joue plus trop aux jeux vidéo parce que j'ai pas le temps. Et si je commence, je vais jamais m'arrêter. Donc je préfère couper. Mais le gars, il a des coéquipiers, il va pas se barrer au plein milieu de la partie. Parce qu'il y a ta meuf qui t'a dit. You caught her with another man in May 2020 and you're still living in the same house. Yeah, that's killing me. Here's the thing, you don't have to leave your kids because right now your kids are seeing you in a situation where you're suffering. Very much, yeah. Your kids are seeing their father suffer. And I know what you're doing right now is you're caught in a mental false dichotomy. You think if I'm leaving, I'm going to lose my kids or I'm going to get really hurt. If I stay, I'm suffering like a pig. You have to understand what's going to happen if you stay in that position. Do children learn by what you tell them, or do they learn by modeling their behavior? They model their parents' behavior. And if you want to increase the probability that your children are going to suffer like you will, that they're going to tolerate a shitty relationship. It's not even a relationship anymore. It's not a relationship anymore. It's nothing. She cheated on your car. Now, what I mean by that is always be respectful. Always be respectful, never be aggressive, always be calm, be respectful. But you're not setting boundaries. Alors là, je suis 100% d'accord. Alors je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais qu'il y a enfant ou pas enfant, à partir du moment où ta femme t'a trompé, c'est fini. Ça sert à rien de perdre ton temps en fait. Ça sert à rien. Une femme, c'est pas un homme. C'est pas la même chose. Si elle a commencé à te tromper comme ça, ça veut dire qu'elle te respecte plus. Et si jamais elle est restée, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. C'est tout. Mais déjà, elle est déjà ouverte. Elle a déjà créé une connexion avec un gars. À moins que ta femme soit une prostituée, ok? Si c'est une fille à peu près normale, elle ne donne pas ça à tout le monde, ok? Donc si elle a donné à lui, c'est parce qu'elle a pris son temps, elle a appris à le connaître, ils se sont connectés, ok? Et elle n'a plus de respect pour toi. C'est fini. Une femme, quand elle aime son gars, parce que déjà, si une femme ne te respecte pas, elle ne peut pas t'aimer, hein, qu'on soit clair. Une femme, quand elle t'aime, elle ne voit que toi. C'est simple ça. Une femme, quand elle t'aime, elle ne voit que toi, ok? Que des fois, toi, tu veux essayer de penser que la femme pense comme un homme, ou etc. Parce qu'un homme, même si genre, il aime sa femme de ouf, c'est pas pour autant qu'il peut pas jeter un petit coup d'œil. Ah, elle est pas mal, hein, voilà. Parce qu'on est des hommes, c'est normal. Okay? C'est ce qu'on appelle le taux de testostérone qui est très élevé. Mais une femme, même si beaucoup veulent nous faire croire, oui, nous aussi, on est pareil, on est comme des hommes, on peut avoir du sexe du jour au lendemain. Chérie, si vraiment tu pensais au sexe comme un homme, bah déjà, il n'y aurait pas, je ne sais plus combien de pourcentage, mais c'est énorme, d'hommes qui n'ont qui pas de relation sexuelle avec leur femme. Toutes les histoires de mal à la tête, on n'en entendrait même pas parler. Et si réellement c'était vrai, mais tu coucherais avec des hommes, 3-4 gars dans la journée. Bon là, j'exagère. Mais tu coucherais avec trop de gars. Tous les gars qui te demanderaient, bah, tu coucherais avec eux. Donc je sais que c'est difficile de se mettre à la place de l'autre, hein, mais non, on est complètement différent. En plus, dans la situation dans laquelle lui, il est, il souffre, il ne va pas bien, il faut montrer l'exemple à tes enfants. Faut montrer des exemples à tes enfants. Déjà pour toi. Et je vais dire un truc qui va énerver beaucoup de gars, mais c'est pas grave. J'assume pleinement.
et j'espère que ça va en réveiller certains. N'utilise pas les enfants pour excuser ta lâcheté. Et ça, ça marche aussi pour le business. Des fois, j'entends des gars qui disent « Ouais, je peux pas lancer mon business en ligne parce que j'ai des enfants. » Je dis « Les gars, laissez vos enfants tranquilles. Arrêtez, ils ont bon dos. Ils ont bon dos, les enfants. » Après, tu vas dire « Ouais, c'est pas exactement la même chose. » Un gars, si jamais tu restes, c'est parce que tu sais que t'as pas beaucoup d'options, parce que tu sais que ça va être dur de partir dans le marché du célibat, etc. Ce qui est peut-être pas faux. Si jamais t'as pas travaillé sur toi, c'est sûr que ça va être difficile. Mais il est clair que tu n'as plus de fierté. Et ça va te ronger toute ta vie. Surtout si jamais toi, tu l'as jamais trompé, mais ça va te ronger toute ta vie. Et si elle l'a fait une fois, elle pourra le faire d'autres fois. Ouais, elle l'a fait pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de chocolat dans le frigidaire. Et en plus, j'ai une news pour toi. Il y a de grandes chances qu'en plus, elle se barre quand même. Parce que si elle a commencé à te tromper, ça te montre des prémices de, en fait, elle n'est pas vraiment bien. Donc après, quand elle s'est fait cramer, bon, bah, du coup, elle est là, oui, non, je m'excuse, machin. Et puis après, un an après, elle va revenir dans l'état où elle était vraiment. Après, elle va se barrer. Si elle reste, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Ou le gars avec qui elle a couché, en fait, il n'est pas intéressé, il ne veut pas plus, tu vois. Et je sais que je ne vais pas me faire des amis avec ce que je vais dire là, mais les femmes et les hommes qui trompent, ce n'est pas la même chose. Je vais t'expliquer, calme-toi Géraldine. Ce n'est pas la même chose. Déjà, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Et cela, même si elle le fait pour se venger. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais moi j'ai trompé, du coup elle m'a trompé, donc bon, ben, on est 1-1 quoi. Non, parce que déjà, si jamais elle te trompe pour se venger, ben, tu vois réellement qui elle est. Tu vois qu'elle prend aucune considération sur ce qu'elle a entre les deux jambes, qu'elle veut même l'utiliser pour pouvoir te faire du mal ou se venger. Ça veut dire que ça te montre juste que ce qu'elle a entre les deux jambes, ce n'est pas spécial pour elle. Elle peut le donner à n'importe qui. C'est ça que ça te montre en fait. Ça te montre qui elle est. À la limite, la manière de réagir d'une meuf bien, qui met de la valeur sur ce qu'elle a entre les deux jambes, c'est genre, tu m'as trompé, ben c'est fini, je me barre. Ou tu m'as trompé, je te pardonne, genre à la Beyoncé. Tu m'as trompé, ben ok, ben, je suis vénère, je suis pas contente évidemment, hein, tu vois, après tu vas manger pendant un moment, hein, ça c'est sûr. Hein, voilà. Je te pardonne, mais je reste avec toi, par exemple, ok, en mode Beyoncé. Parce que Beyoncé, elle a compris qu'il y a une différence. Quand un homme trompe, réellement, qu'est-ce que ça signifie? Ok, quand une femme trompe. Mais si la meuf, elle te trompe pour se venger, mes gars, ben, t'as montré son vrai visage. Ça veut dire qu'à tout moment, quand il y a un truc qui ira pas, elle te trompera en fait. Quand tu l'as trompée, tu l'as juste chauffée pour pouvoir revenir comme elle était, comme elle a toujours été, et montrer son vrai visage. Donc, finalement, ce sera peut-être pas plus mal. Tu vois. Et même les meufs, elles savent que c'est complètement différent, parce que les meufs, elles savent, ouais, vous trompez, mais le jour où nous, on vous trompe, c'est la fin du monde, vous voulez vous suicider, etc. Donc tu le sais qu'un homme, ça le détruit. Tu le sais que ça le détruit de ouf. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, on sait que la femme, elle donne pas ça à tout le monde, ok. Donc si elle le donne à ce gars-là, c'est parce qu'elle a créé une connexion avec lui, ok. Le gars, non. Le gars n'a pas besoin de connexion avec qui que ce soit. C'est pour ça que l'industrie du porno vaut des milliards. C'est basé sur ça, le taux de testostérone des hommes. Le taux de testostérone des hommes fait que vous êtes capable de michetonner les gars. Fait que même si vous leur manquez de respect, ils vont encore quand même venir vous voir. Fait que les gars vont tout faire pour apprendre la nature féminine pour pouvoir vous aborder. Apprendre à aborder les filles dans la rue. Apprendre à séduire une femme. Parce que même si tu les rejettes, le taux de testostérone est tellement élevé que ça va les gratter toute leur vie. Ils ont besoin de venir te voir. Okay, ils ont besoin de se reproduire. Ils n'ont pas le choix. Et donc, du coup, l'industrie du porno est venue combler ça. Et donc, les gars mettaient sur chez eux, hein, ils se paluchent toute la journée. Donc, c'est pour te dire. Donc, il n'y a pas besoin de connexion. Et pour pointer la différence, pour revenir aux femmes, par exemple, une femme, quand tu vas la tromper, généralement, elle va te dire, la question qu'elle va te poser, c'est est-ce que tu l'aimes? Alors, qu'on soit clair, je ne suis pas en train de dire que quand tu trompes une femme, ça ne lui fait pas du mal. Bien sûr, ça lui fait mal. Mais je veux quand même pointer les différences pour qu'on se comprenne bien. Donc, alors après, évidemment, si jamais, imagine, tu l'as pas aimé, mais elle voit que tu as payé des choses pour la meuf, que tu l'as considérée comme ta meuf, etc., tu étais comme ça, là, ça va la défoncer. Mais imaginons que la meuf, elle s'aperçoit que, genre, elle voit que tu te rappelles même pas du prénom de la meuf, tu dis, ouais, bah, c'est une meuf comme ça, pff, ça, voilà. Bien sûr, ça va la défoncer, mais elle sait qu'il n'y a aucun danger, elle sait qu'elle, elle est rien. Que voilà, c'était juste un faux pas là, voilà. À la Jay-Z par exemple. D'ailleurs, tout le monde dit ça pour Jay-Z alors qu'en vérité, on ne sait même pas. Mais bon, je continue mon raisonnement. Alors que le gars, il sait que d'une part, il y a une connexion. Tu kiffes le gars, ça c'est sûr et certain. Ne couche pas comme ça. Surtout si tu es en relation, tu n'es même pas célibataire. Tu es en relation long terme avec un gars. Si tu couches avec un autre gars comme ça, c'est que voilà. Déjà, enfin, tu kiffes plus ton gars, tu respectes plus ton gars. Donc déjà, ça te défonce. Et ce qui va plus défoncer le gars, c'est que tu te soumets avec un autre gars. Et c'est pour ça que ça le détruit. Tu te soumets à un autre gars. Et c'est pour ça que le gars, il va poser des questions. Il va pas dire, est-ce que tu l'aimes? Il va te demander, qu'est-ce que tu as fait avec lui? Il veut les détails, qui va le défoncer. Parce qu'en vérité, il veut les détails, mais il ne les veut pas vraiment.
Mais c'est ça, il va vouloir les détails. Quelle position t'étais? Comment t'étais? Comment est-ce que t'as utilisé ta bouche? Parce qu'après, il va pas venir après m'embrasser mes enfants, venir m'embrasser derrière. Tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est ça, ça, ça va le détruire. Le fait que tu te sois soumise à un autre homme, comme ça, qui positionne tout ça, machin, ah là là, ça va le détruire toute sa life. Et en plus, que tu lui dises ou que tu lui dises pas, le gars, il dit, il est en train de mourir. Parce qu'il est en train de penser tout le temps comment elle était, qu'est-ce qu'elle a fait, ou si elle lui a dit exactement qu'est-ce qu'elle a fait, machin, si elle a utilisé sa bouche, machin. Donc les filles, si vous regardez, d'ailleurs, les petites filles, si un jour vous faites cramer, si le gars te dit qu'est-ce que t'as fait, dis t'as rien fait, missionnaire. T'étais comme ça, t'étais morte et tu pensais qu'à lui parce que tu te rendais compte que tu faisais une erreur. Voilà. Ça, c'est la bonne réponse. Enfin, c'est ça qui fera le moins mal. Mais si tu commences à dire ah là là, ah, il a frappé ça, ah là là, dur. Ah non. Ah ouais, j'étais à 4. Hein? Non. Oui, ah, j'ai. Profonde, gorge profonde. Ah, là, c'est fini. Fini, tu l'as tué, c'est fini, il va se suicider, il peut se suicider. Donc je sais qu'il y en a qui seront d'accord, ils ne sont pas d'accord. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage-moi ton expérience. Il n'y a pas de problème, tu peux ne pas être d'accord avec moi, on peut quand même être amis. C'est pas un problème. Par contre, juste, tu peux pas être un simp. Ça, je peux pas. Donc voici un commentaire d'un gars qui disait que lui, il a vécu ça. Il disait que si un homme trouve sa femme en train de le tromper, parce qu'en plus le gars là, je crois qu'il a attrapé, il a dû voir sa meuf avec un autre gars, donc encore plus, encore pire quoi, je veux dire. Bref, donc du coup, si jamais tu trouves ta femme ou ta petite amie en train de te tromper, même si tu as des enfants, tu dois partir, ok? Tu dois le faire pour tes enfants, et spécialement si jamais tu as des petits hommes, enfin des hommes quoi, des garçons, ok? Parce que tu dois pas accepter ce genre d'attitude. De genre d'attitude, tu dois pas accepter ce genre d'attitude, ok? Et que genre il est passé par ça quand il est dans les années 95, donc ça fait un moment, ça fait grave longtemps même. Et il disait qu'à cette époque-là, ses enfants, il dit qu'aujourd'hui ses garçons jusqu'à aujourd'hui le remercient de lui avoir montré un exemple, ok? Et que ils ressentent le fait que ça leur a mis une barrière mentale qui fait que ils acceptent aucunement qu'une femme le fasse. Et ça, faut pas oublier que les... Surtout quand tu as des garçons comme ça, il faut leur montrer l'exemple. Parce qu'il y a d'autres hommes... Si vous voulez arrêter la pandémie des simps et des bêtas, eh ben, commencez par montrer l'exemple à vos enfants. Hein. Si jamais tu acceptes ça, ton enfant dira, bah, bon, mon père, il n'était pas bien, il est resté, donc moi, je fais la même chose. Les enfants font exactement la même chose. Et ça reste ancré. Même les gars qui ont 50 ans, ils disent, ouais, mon père... Ils refont la même chose. Donc si jamais un jour ça t'arrive, tu dis ouais bon bah moi mon père aussi le faisait, donc bon c'est cool tu vois. Donc moi aussi je peux faire tu vois. Donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Conscient que ça va en énerver plus d'un, mais je pense ne pas être loin de la vérité. Donc les gars, si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, chez ton camp.